Chaque week-end, à la nuit tombée, les parkings du centre-ville sont pris d'assaut par des fous du volant et des mordus de mécanique qui viennent confronter leur bolide. Voitures de collection, vieilles cylindrées ou engins de course au moteur trafiqué. C'est à qui exhibera le véhicule le plus original. Est-ce que j'aime ça ? Oh ouais, j'adore. La voiture ici, c'est une passion. Une façon de se montrer, d'exprimer son talent. C'est aussi un bon endroit pour se balader en famille. Un peu à l'écart, des jeunes conducteurs en profitent pour faire chauffer les pneus et ronfler les moteurs. En quelques minutes, le parking prend des allures de rallye automobile. Donuts ! On brûle les pneus, ils font des donuts ou des dérapages. On fait plein de figures différentes. On essaye de prendre du bon temps. On se sent vraiment libre. Aux États-Unis, on peut obtenir le permis dès l'âge de 15 ans et 7 mois et se retrouver avec une grosse cylindrée entre les mains. C'est le cas de César, un jeune lycéen de 19 ans, passionné de voitures de sport tape à l'œil. Ça rend accro, mec. Ce son est dingue. Ce fils de bonne famille ne manquerait le rassemblement pour rien au monde. Les voitures, c'est ma passion. Je suis accro depuis ma naissance. J'ai grandi avec mon père qui adorait les pick-up. Et depuis que j'ai vu le film Fast and Furious, j'ai pas pu lâcher le volant. La série de films Fast and Furious, qui fait l'apologie de la vitesse, est un phénomène aux États-Unis pour toute une génération accro aux sensations fortes. Alors, en fin de soirée, comme dans la série, une course sauvage s'improvise entre César et quelques lycéens. On va suivre Farad. On va aller vers l'est, il y a de l'espace, il n'y a pas de flics. On va pouvoir s'amuser sur la route. Donc, on le suit. On prend à droite, et ensuite à gauche. Ok, ça me va. C'est illégal. S'il se fait attraper par la police, César risque le retrait de permis et la prison. Jusqu'à 14 ans de réclusion s'il blesse quelqu'un dans un accident. Pourtant, cela ne l'empêche pas de prendre des risques. Je fais ça pour le fun. Allez vite. C'est ce que j'aime faire. Quand on est plusieurs à rouler comme des fous sur l'autoroute, c'est difficile pour un seul policier de nous attraper. On a l'avantage. À 200 km/h, les bolides s'élancent sur l'autoroute. C'est vraiment fun. Sur cet axe à 5 voies, limité à 120 km/h, César et ses rivaux d'un soir slalom entre les voitures, inconscients des risques qu'ils font courir aux autres automobilistes. Excès de vitesse, franchissement de lignes continues, ils enchaînent les infractions au code de la route. C'est à qui réalisera la plus belle accélération. La course ne va durer qu'un quart d'heure, écourtée par la présence d'une voiture de policier en plein contrôle sur le côté de la route. Les autres s'arrêtent maintenant. C'était une course vraiment sympa. Ça m'amuse toujours de faire ça, je m'en lasse jamais. L'an dernier, les excès de vitesse ont fait près de 9000 morts sur les routes américaines. Une fois sur deux, la victime avait moins de 29 ans. Pour faire chuter ce chiffre alarmant, le gouvernement a décidé de frapper fort avec des campagnes de prévention choc. Ce matin, à Roseville, près de Sacramento, au nord de la Californie, les élèves du lycée Granite Bay s'apprêtent à vivre une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. À quelques mètres des salles de cours, policiers et pompiers sont en plein préparatif. Pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route, ils ont organisé une reconstitution d'accident. Tu vas arriver vite ? À peu près à cette vitesse. Oh mon Dieu ! Dave Martinez est officier de police en charge de la prévention au sein de la Highway Patrol. Pour dénoncer les effets de la vitesse et de l'alcool au volant, il a mobilisé des pompiers, du personnel hospitalier et des employés de la morgue.
En tout, plus d'une centaine de professionnels. Son scénario est peaufiné, au détail près. Ici, ce sera un conducteur alcoolisé qui sera au volant de cette Jeep. Sur le siège d'à côté, le passager sera blessé et emmené à l'hôpital en ambulance. L'étudiant qui sera derrière sera entre la vie et la mort à cause du choc, et il ira aussi à l'hôpital, il sera emmené par hélicoptère. Et ces deux-là, ils mourront suite à leurs blessures. Le conducteur, là, ne sera que légèrement blessé, mais la passagère, elle, elle sera éjectée. Elle mourra sur place. On prononcera son décès ici même. Pour que la scène soit hyper réaliste, des étudiants ont droit à une séance de maquillage. Comme de vrais acteurs, ils vont devoir jouer la comédie devant leurs camarades. C'est un peu bizarre, mais ça devrait aller. On met un peu plus de maquillage que prévu pour que ce soit le plus réaliste possible, le plus dramatique aussi. Comme ça, la foule pourra bien voir les blessures, même de loin. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Alors, comme toujours, soyez naturels. C'est complètement dingue. Quelques minutes pour la mise en place, et le show va commencer. Ok. Je suis un peu nerveuse. J'en tremble. Allez les gars, on y va. Les gens vont arriver. Allez, bougez. Présence obligatoire pour les 2000 élèves du lycée. Au son des sirènes, les acteurs d'un jour entrent en scène. Respire. Lucas, ouvre la porte. Pendant près d'une heure, les pompiers et les officiers de police reproduisent dans les moindres détails tous les gestes qu'ils effectuent lors de vrais accidents. Les élèves filment pour réaliser un clip qu'ils distribueront à leurs camarades. Une mise en scène macabre et choquante qui a son petit effet sur les étudiants. Monsieur, je vous arrête pour conduite en état d'ivresse et pour avoir causé cet accident. Clou du spectacle, un hélicoptère pour emmener le faux blessé à l'hôpital. Prix de la démonstration, 80 000 euros. Ce programme est réalisé dans la plupart des établissements américains. Les autorités l'ont baptisé « Every 15 minutes », toutes les 15 minutes. Car aux États-Unis, un automobiliste meurt chaque quart d'heure dans un accident de la route à cause de l'alcool. Au lycée Granite Bay, les élèves sont sous le choc. Ça m'a fait réfléchir à ma propre sécurité et à ma vie aussi. Là, je vois les choses différemment. Ce n'est pas un peu exagéré? Je ne pense pas. C'est très réaliste. C'est intéressant de voir ce qui peut se passer quand on est en dehors de la loi. C'était émouvant de voir la réalité d'un accident. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Les élèves semblent avoir compris la leçon, mais le programme s'adresse aussi aux parents. Pour les sensibiliser, les organisateurs ont choisi une centaine de familles à qui ils ont proposé un jeu de rôle un peu spécial. Tous vont recevoir la visite d'un chaplain, comme Caroline, une retraitée très croyante qui travaille bénévolement pour les autorités. Son rôle, annoncer la mort d'un proche, aux familles. Bonjour, vous êtes la maman de Savannah. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Nous sommes chez les parents de Savannah, la jeune fille qui a simulé son décès. Comme s'il s'agissait d'un véritable accident mortel, la chapelaine et le shérif qui l'accompagnent jouent leur rôle avec beaucoup de conviction. Je suis désolée, mais je dois vous informer que votre fille Savannah est impliquée dans un accident de voiture. Elle a été percutée par un conducteur ivre et malheureusement, elle est morte dans cet accident. Les parents de Savannah sont au courant de la mise en scène. Pourtant, cette annonce reste difficile à entendre. C'est la chose la plus terrible à laquelle je puisse penser. Je me rends compte de ce que les parents doivent traverser. Je prie que ça ne m'arrive jamais.
Et ce n'est pas terminé. Le lendemain matin, parents et élèves sont conviés à une étonnante cérémonie funèbre dans la salle de sport du lycée. Le cercueil est vide, mais ce n'est plus uniquement de la fiction. À la tribune, des proches de personnes réellement décédées dans un accident de voiture défilent pour témoigner. C'est quelque chose que je n'ai dit qu'une fois à un proche, parce que c'est le moment le plus dur que j'ai eu à vivre. J'avais 8 ans en 2005. Je suis allé au lit, je commençais à m'endormir quand j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à des rires. Je suis sorti de ma chambre et j'ai regardé ce qui se passait. Mon père avait des larmes dans les yeux. Il m'a regardé et s'est mis à pleurer. C'était la première fois que je l'ai vu dans cet état. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mon fils, ta sœur Lindsay est décédée cette nuit dans un accident de voiture. » Et à partir de ce moment, ma vie a changé. Malgré ces campagnes de prévention choc, le nombre d'accidents mortels chez les jeunes est en augmentation depuis 10 ans. De quoi alimenter encore longtemps les journaux télévisés et les paparazzi en quête d'images fortes.